Desjardins est fier de contribuer à mettre en lumière les jeunes talents. Veuillez maintenant accueillir M. Nicolas Pellerin, porte-parole de la 35e édition de Cégep en spectacle. Bonsoir. Ça va bien tout le monde? Oui! À Vivaldi, ça commence? Ouais. Moi aussi. On m'a demandé, ça fait presque un an, si je voulais être le porte-parole de la prochaine édition de Cégep en spectacle. J'ai étudié à Joliette, j'ai fini ma technique en musique ici en 2003 et c'est la 35e édition de Cégep en spectacle. Je viens d'avoir 34 ans, fait être porte-parole d'un événement qui est plus vieux que toi-même, c'est vraiment flatteur, tu sais là. Fait que j'étais super content d'accepter. J'ai un lien affectif assez particulier avec le collégial. Mon père a été prof pendant 34 ans au Collège Shawinigan et j'ai donc étudié là-bas une première fois en sciences administratives. Après ça, j'ai continué à l'université en mathématiques. Oula! Finalement, j'ai pas fini mon bac. Je suis revenu ici à Joliette étudier en musique au lieu de partir en trip de sac à dos dans l'Ouest où je n'ai pas trop le temps de savoir ce que je voulais faire dans la vie. Je me suis dit, je vais aller étudier en musique puis je verrai plus tard, mais finalement, ça a duré, c'est un beau cégep, j'ai eu bien du fun ici, puis bref, de revenir, de clore une espèce de boucle, j'étais étudiant ici il y a 12 ans, puis là, me voilà porte-parole de l'événement. Je suis vraiment content, ça fait 4 mois que je porte la parole du festival en faisant tout plein d'entrevues, ici et là, à droite puis à gauche, puis enfin, on est rendu à la grande soirée, la grande finale. Je vous en souhaite une belle. Nous autres, on va être là avec mon trio pour la deuxième partie, la partie hors concours, la partie de délibération des juges. Bonne soirée. Donnez-y-en en masse des applaudissements et de la chaleur, parce que ça prend du guts quand même. Je sais pas, ils ont 17, 18, 19 ans de monter sur scène. La salle est pleine. C'est Roland Brunel, c'est gros. Il y a des Kodak en arrière. C'est intimidant. Mais je pense que vous allez passer une maudite belle soirée. Merci beaucoup tout le monde. Bon, c'est Gérard. Veuillez accueillir, du cégep de Victoriaville, Amy Champagne. Je tiens à vous faire part d'une certaine aberration. Imaginez tornades, tremblements de terre, typhons, catastrophes naturelles, prendre nos maisons, nos familles, nos vies actuelles. Malgré l'aide passagère de certains pays, de tels endroits finissent souvent dans l'oubli. Pendant que des gens essaient de survivre et de se nourrir, d'autres cherchent de nouveaux artifices à s'offrir. Les bijoux, les maisons, les souliers, les voitures coûteuses ne rendent aucune de ces personnes heureuses. Ce ne sont que des caprices égocentriques, car d'ici quelques semaines, elles rêveront d'autres fabriques. Si les gens s'entraidaient et se comprenaient, peut-être y aurait-il moins d'inutiles décès. N'écoutez pas et moquez-vous, mais je me sens souvent dans un monde de fous. Je tenais à vous faire part de cette aberration, mais même si cette planète me désole, au moins, l'amour me console. Je dirai
c'est bien fait pour toi. Je dirais, ça t'apprendra. Je dirais, ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Tu le verras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. Parlez plus d'elle, j'ai besoin d'oublier tout ce qui me rappelle qu'un jour elle a été. Ne me parlez plus d'elle, je préfère son absence à sa beauté cruelle. Accordez son existence. Ne me parlez plus d'elle, je ne veux pas savoir près de qui chaque soir. Elle ouvre grand ses ailes. Ne me parlez plus d'elle, je ne veux pas savoir près de qui chaque soir. Parlez plus d'elle, je voudrais m'endormir comme une sentinelle qui ne voit rien venir. Ne me parlez plus d'elle, je préfère l'ignorance aux mauvaises nouvelles. Accordez-moi silence. De son existence. Ne me parlez plus d'elle, je ne veux pas savoir près de qui chaque soir. Elle ouvre grand ses ailes. Ne me parlez plus d'elle, je ne veux pas savoir près de qui chaque soir. Ne me parlez plus d'elle, non, ne m'en parlez pas, mais parlez-lui de moi. Accordez-moi silence, loin de son existence.
près de qui chaque soir elle me reprend. Elle me reprend le ciel. Veuillez accueillir du Cégep de Saint-Laurent, mon frère Mador. Mon ami, il serait temps de te lever. Ça fait 2h30 que t'es vaché dans le sofa-lit à glandouiller. De la poussière dans les cheveux, t'as l'air d'un vrai pouilleux, blasé par la paresse, les yeux enflés par la télé. Ce qui est normal après avoir maté 6 vieux films de Disney. Ton cerveau flotte dans un bouillon d'illusions, d'ambition. Par les volets fermés, les rayons d'après-midi viennent enduire de honte ton corps flétri par l'apathie. Lili-li-dum. Dans un lazy boy, à gratter les accords sur une guitare et fredonner des mots par rapport comme à quoi former ta boulet, à quoi former ta boulet. Ça commence à faire pitié. Il serait temps de regarder plus loin que le bout de ton joint. Commence donc par focusser sur les bonnes priorités, tes résultats scolaires au lieu de tes scores du Nintendo. À force d'imposer trop souvent ton beau matelas, y'a une copie de tes fesses imprimée sur le canapé. T'es pas tanné de mal manger pis te promener les pieds. Tu mets le printemps au lieu de reprendre le cours que t'as coulé. Des accords sur une guitare et prenez des mots par rapport comme pédoncule et paprika, pédoncule et paprika. Mais mon ami, je dois t'avouer que dans le fond j'ai envie de parfumer ton existence d'autant de nonchalance. J'aimerais aussi de temps en temps pouvoir décrocher de mes règles à la con et de toutes leurs conditions. Depuis trop longtemps, enfermé dans une prison, je me cogne à des barreaux dont je suis le forgeron. Il est venu le temps pour moi de m'échapper, de m'effoirer sur un divan et de ne plus penser.
passer la journée bâché dans un lazy boy à gratter des accords sur une guitare et fredonner des mots par rapport comme saucisson et cabanon, saucisson et cabanon. Merci! Merci! Merci d'être là! Merci d'être là ce soir, plusieurs d'entre vous pour la troisième fois. je dois vous dire que c'est vraiment le fun de sortir nos tunes du sol et de vous les présenter ce soir. Vraiment. Ouais, c'est vraiment un cadeau que d'être écouté. Quand on y pense, le concept d'être écouté, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare. On parle beaucoup, tout le temps et en même temps, et tout ça, ça finit par se frapper, par ricocher puis par aller nulle part. Dans le fond, on s'époumonne à faire comprendre quelque chose à un mur de briques. Dans le fond, c'est comme si on chantait des airs de roche. À ton oreille, chuchote des airs de roche qui me pèsent lourd, 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 lourd de sens. Bouchés comme la vin, ils en ignorent la mélodie. Et n'en ressentent qu'à peine le poids. Et comme des oiseaux, les mots se cognent à des murs de verre trop clairs, sans les abîmer, se blessent et tombent. C'est encore pareil. Ce sera toujours pareil. Des passants, il reste encore des plumes immaculées de sang coagulé. Le vinyle a sauté, pause indéterminée. Quand va-t-il repartir? Pourra-t-on seulement le finir? Ça porte à confusion. Délai beaucoup trop long. Mais qui donc maîtrise si bien les marionnettes? Ils jouent à l'abondance avec un monde assoiffé. Et ils pissent dans le seul ruisseau encore clair, souillé par l'arrogance de l'horloger qui mesure et s'adapte mais refuse de changer l'heure. On ne peut plus se baigner, on ne peut que regarder le temps et l'eau couler, car c'est encore pareil. Ce sera toujours pareil.
Veuillez accueillir du cégep Édouard Montpetit, Émile Bilodeau. Bonjour, vous êtes beau, vous êtes beaucoup, c'est très, très, très stressant. Alors, c'est vrai, mon nom est Émile Bilodeau, et pour ceux qui auront applaudi tantôt quand j'étais dans le noir, c'est vrai que je suis très joli dans le noir, c'est très gentil. vous constatez, je suis un peu stressé. Qu'est-ce qu'il y aurait de beau à dire sur mon sujet? En fait, je vais vous chanter deux de mes compositions, une que j'ai écrite quand je rentrais au cégep, parce que le cégep, c'est quelque chose, hein? Et puis une que j'ai chantée, que j'ai écrite quand j'étais en secondaire 5. Ça va comme suit. En passant, j'ai 17 ans, mais je travaille très fort pour avoir 18 ans prochainement. Fait qu'après, genre l'année prochaine, on ira prendre une bière puis ça te parler de ça. Alors, ça va comme suit. C'est parti. Wouhou! Ça groove, hein? Je suis couché dans mon lit. Je suis couché, mais la porte est ouverte, commence à faire fret. Je me dis fuck off, puis tant pis. Parce que je suis tellement bien dans mon lit avec ma guette, puis j'ai tout d'un coup le goût d'écrire une tune fucked up. Ok, oui. Pour que quand je te chante, tu puisses rire ou pleurer, puis tu puisses me rappeler le fait que tu me trouves hot. C'est fou comment nos projets glandent encore. Puis c'est fou comment tous nos rêves planent dehors. C'est fou comment, qu'à 17 ans, le vent vente fort. Puis c'est fou comment toutes ces estiniaiseries-là peuvent prendre le bord. Parce que le monde me tente pas quand j'ai ma blonde dans mes bras. Ah, c'est un peu quétaine, là. Parce que la vie me semble tellement longue quand dans mon lit je pense à ma blonde. Ouais! Fait que je suis couché dans mon lit. Je suis couché, mais je ne suis pas abonné à la tranquillité d'esprit. Oh non, mesdames et messieurs. Parce qu'il y a bien des dossiers qui me tracassent. Quand je suis en vélo, je mets pas de casse. Puis Dieu sait que je prends jamais l'autobus. Puis qu'en plus, j'ai bien des devoirs à faire. Puis des travaux à remettre. Je me dis que c'est loin d'être l'enfer. Première session au cégep. Mais mes amis rushent en Simonac. Puis moi, je suis juste en profil monde sans maths. Ça me donne tout le temps qu'il faut pour penser à mes idéaux. Ouais, je suis souverainiste, indépendant. Puis je suis un peu triste de temps en temps. Parce qu'au Québec, c'est un peu sec. On trouve que notre histoire est nice. Mais pas autant que Carey Price. Oh! Puis comme disait Pierre Falardeau un jour, la liberté n'est pas une marque de yogourt. Puis faut croire qu'au Québec, sans trop faire exprès, ces tensions très bien se lient à plein. On est tellement bien assis sur notre cul à regarder la télé, nos séries, puis nous autres, on cherche pas le trouble. On sait pas tout à fait c'est quoi le concept d'un pays, mais nous autres, on écoute Occupation double. Pa-la-pa-la-pa, pa-la-pa-la-pa-pa. À chacun ses combats. Fait que je suis couché. Je suis couché dans mon lit. Les paroles sont pas même compliquées. Je suis couché, puis je sais que t'étais cœur et de m'entendre chialer, mais la tournée bientôt finie. Partez pas, partez pas. Tu sais, dans le fond, je veux juste que tu saches que quand je prends une coupe de bière, puis que je file un peu chaud, j'aime ça prendre un pas en arrière, puis regarder à quel point qu'on est beau. Puis quand je te vois, toi, puis ton corps, j'écoute chanter encore plus fort dans toute la sueur de ma joie, puis dans tout le bonheur de ta voix. Non, non. Okay, vous êtes très gentils, vous méritez un solo de mouche. Entre
retenir l'amour, c'est pas toujours évident. Il y a des jours qu'on pense qu'on a fait le tour, puis il y aura toujours des French un peu moins trippants. Tu m'as demandé d'être un homme, fait que j'ai pris 4 bières un matin. Mais ça fait-tu de moi une bonne personne? Si moi l'alcool, ça me fait rien. Mais t'es pas tout le temps là, puis sont longs les jours. Puis déjà en partant, les matins sont lourds. Puis tout le monde à l'école se juge d'un cours, en attendant de peut-être tomber en amour. Fait que j'écoute Félix Leclerc pour genre me calmer les nerfs. Mais moi, pour vrai, mes souliers n'ont pas voyagé. Et moi, mes souliers sont bien fatigués. Fait que je suis couché, conclusion pour de vrai. Je suis couché dans son lit. Je suis couché, puis ça fait une bonne trentaine de minutes qu'on est en train de s'aimer en maudit. Je l'aime bien, ma blonde. Parce que moi, le monde, au moins le monde, me tente pas. Vous autres, vous êtes bien fin. Quand j'ai ma blonde dans mes bras. Parce que la vie me semble tellement longue. Quand dans mon lit, je pense à ma blonde. Merci beaucoup. Je suis de retour. Merci beaucoup, c'est très cool. Belle énergie, c'est vraiment le fun. Tantôt, il y a un danseur, il est vraiment débile. Ça va être la frénésie. J'aimerais en profiter pour saluer mes amis qui sont dans le local, parce qu'on a pensé à ça de regarder la game de hockey, vu qu'on ne pouvait pas voir comme ce qui se passait. Fait que, allô? Et puis, qu'est-ce que Red Bull a à dire? Je vais vous chanter une autre chanson. C'est une chanson qui s'appelle D'or. Moi, mon idole de toujours, comme je le dis souvent, c'est André Dédé Fortin. Je me suis beaucoup inspiré de son dernier disque, Dehors Novembre, pour écrire la chanson que je vais vous chanter. Parce que quand on est ado, c'est pas toujours évident. Moi, je suis le genre de gars qui a lâché le football. Ça faisait 6 ans que je faisais du football pour faire de l'impro. Puis c'est pas une transition facile. Ça fait un peu écœuré. Puis j'étais le genre à trouver qu'une fille, c'est très joli. Mais c'était pas réciproque tout le temps. Au secondaire, c'est un peu rough. J'espère que vous allez peut-être vous reconnaître un peu là-dedans. Parce que quand on est jeune, on se dit, oh non, pas une autre journée à l'école. Alors ça va comme ça. Je pense que vous allez apprécier. Secondaire est pas facile. Hein? Okay. Si la vie c'est de la marde, ben je l'ai fourni en laxatif. Puis si l'amour pousse dans les arbres, ben je trouve qu'on est un peu craintif. Si McDo mène le monde, ben je vais prendre un trio, faire comme tout le monde, avoir une blonde pour qu'on puisse se prendre en photo. Pas la papa. Nos soirées sont un peu poches, puis nos nuits sont remplies de rêves. Y'en a des petits, y'en a des croches, puis moi je rêve à René Lévesque. Y'en a qui font des métaphores, genre la vie c'est un chemin. Moi je pousse mes gags de marde un peu trop loin. Un peu trop loin. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler qu'il pleut d'or. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça. Ça fait un bon moment, en fait ça fait 2 mois. Sur une scène, je suis tellement bien devant 6 millions de gens. Mais devant toi, c'est fou de voir à quel point je suis pas pertinent. Je t'ai écrit une chanson, mais j'ai pas trouvé de titre. J'ai voulu mettre ton nom, mais je sais que c'est pas fantastique. Fait que ça fait une couple de jours que j'ai de la misère à me coucher. Je suis tombé en amour, puis ça me fait un peu chier. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y a Facebook pour me rappeler avec qui tu sors. Écoutez, ma chanson tire bientôt à sa fin. Je vais juste vous dire, c'est super le fun pour un gars de 17 ans. Faire ces chansons devant autant de personnes, c'est vraiment cool. Merci au Cégep qui m'a donné l'opportunité. Parce qu'au Québec, on a la chance de pouvoir s'exprimer. Pour vrai, j'aurais jamais cru pouvoir comme, venir sur une scène devant autant de gens et faire mes chansons. C'est vraiment grâce au RIASC et à nos animateurs culturels qui nous aident beaucoup. Alors, ça va comme si la vie est un...
dans un élan d'émotion fantastique. Alors, ça va comme suit. Si la vie est heureuse, c'est parce que je leur ai fait bien rire. Le présent est négligent, mais j'ai encore peur de l'avenir. C'est pas bien beau, c'est un peu sale, on est-tu bien à Montréal? Une petite guitare, deux, trois pétards, pour moi, c'est ça le monde idéal. Les décisions, les éditions, les bons amis, la jalousie, la déception, l'admiration. Mais j'ai pas le temps, faut que j'étudie. Pour être quelqu'un, pour être quelque chose, faudrait que je me botte le cul. Pour finalement mourir chauve, qu'on soit tout un peu déçus. J'ai rien contre les chauves, là. Un peu déçu. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Merci énormément. Veuillez accueillir du cégep Marie-Victorin, David-Alexandre Chartier. Thank you.
veuillez accueillir du cégep de Jonquière, le M. Et Joliette, est-ce que ça va ce soir? Est-ce que vous passez une bonne soirée? On m'a dit que vous étiez un public de feu, alors ce soir, moi, je veux vous tester, ok? On va faire un petit jeu. À chaque fois que je vais dire hip, vous allez répondre hop, ok? Oui. Hip. Ok, 470 bénédictin, 974701. Mets-moi un stylo dans la main et j'oublie le temps présent. Je ne pense plus à rien, préfère noircir les feuilles blanches. Broyer du noir, noyé dans l'alcool. Je n'en peux plus, le pire de mes blessures pour soi. Et par l'écriture, j'aurais pu crier à tort et à travers, mais j'ai préféré kicker l'instru. Ça sent niquer ta mère, comme tu peux le voir. Je resterai toujours explicite et ça tant que l'espace racaille reste toujours licite. Bénédictin, je n'oublie pas d'où je viens. J'ai ramené le rap dans mes bagages pour aller encore plus loin. Tu ne me connaissais pas, je suis comme ça, derrière le visage de l'ancien démon qui se bat, qui me pousse à toucher mon but, à avancer la tête haute et sans baisser mon but. Faites-moi la place, je débarque au microphone, moi c'est le M. Au microphone, moi c'est le M. Éloigné de tout ce que j'ai de plus cher, je cherche le bonheur, espère même qu'il se prolifère. Propage des vers pour penser mes mots, maîtriser mes peurs, me garder à flot, éviter mes peurs et pour m'éviter d'être accro. Dans ma vie j'en aurais froissé des feuilles, raturé des mots, usé des pistes et des mines de crayons. Tout ça pour être moins triste, c'est vrai, mais si je l'ai fait si souvent, c'était pour éloigner mes démons. Même si mon île se trouve à des milliers de kilomètres, je garde la tête haute, même si mon cœur n'est pas à la fête. Même si la température est glaciale, je resterai fort et droit, tel un guerrier Maasai. J'en ai peut-être pas la carrure, c'est vrai, mais au fond de mon cœur j'en ai la nature, tu sais. Donne-moi une chaise que je te pose un 16, que j'explose comme la fournaise et que mes textes brillent de mille feux. Et que mes textes brillent de mille feux. Et que mes textes brillent de mille feux. Une petite île où la mosquée, le temple hindou, la pagode, l'église et la chapelle font partie du paysage des centres-villes. Des couleurs de peau différentes, une harmonie palpable, la religion partout présente. Une petite île où l'on ne débat pas pour savoir qui sont arrivés les premiers. Une île où la laïcité, l'intégration et la diversité ne veulent rien dire. Une petite île qui possède un trésor inestimable. Un trésor inestimable. Tu veux savoir d'où je viens? Un trésor inestimable. Mon cœur s'emballe. Quand je parle d'elle, j'ai des frissons mais pas de froid. Quand je pense à elle, pas la peine de prendre des bagages. Écoute mes paroles, je t'emmène en voyage. C'est maintenant qu'on décolle devant toi. Voilà multitude de couleurs. Oublie le cri de la métropole et respire le parfum des fleurs. Montagnes magnifiques, plages idylliques. Mais combien finissent allongés proche du coma éthylique. Brassage de culture, couleurs et métissage feront sa gloire, c'est sûr. Mais en attendant, on s'éloigne de son cœur. Loin de la fournaise, beaucoup de ses enfants pleurent. Tu veux savoir d'où je viens? D'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare. Mélange de plusieurs nations, couleurs et religions vivent en cohabitation. Tu veux savoir d'où je viens? D'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare. Beauté sans pareille. Mon île te semble paradisiaque, mais tu es loin du content. En fait, son cœur est démoniaque, même s'il abrite quelques contes de fées. La mère patrie nous expulse loin de ses contrées. Sur nos terres d'exil, c'est en salle noire qu'il nous traite. Obligé de fuir la précarité, où les rhum et cannabis sont devenus des banalités. Où le chômage bat des records à chaque pointage. Où le colon et sa famille viennent y finir leur bronzage. Elle est loin, l'île carte postale pour vacances idéales. Mais nos pensées s'y baladent en période hivernale. Sur nos murs accrochés des photos familiales et un colis, un mois sur trois pour remonter notre morale. Pour garder les idées claires, éviter les coups de blouse et se parer contre l'hiver. Quand on la quitte, c'est souvent le cœur gros, mais on le fait jamais trop quand il faut la mettre en haut. Tu veux savoir d'où je viens? D'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare. Mélange de plusieurs nations, couleurs et religions vivent en cohabitation. Tu veux savoir d'où je viens? D'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare. Beauté sans pareil. Tu veux savoir notre secret? La connaissance de l'autre est le premier chemin vers le respect.
Des églises avec pour voisines des mosquées. Temples bouddhistes et hindous colorés. Et ça, sans guerre de territoire, dans le calme et le partage, mais périlleuse fut notre histoire. Assimilation de la France colonialiste. Demande-toi pourquoi les mêmes vivent ensemble. On n'est pas tous de. C'est. Là, on appelle ça la Réunion parce que c'est plusieurs. C'est plusieurs races différentes réunies pour vivre sur une même île. Donc ici, on n'a pas de problème comme il va voir en métropole ou dans d'autres pays où les gens ils vont dire « Ouais, les musulmans, non, ici, il y a tout le monde qui a sa place. » Pour moi, La Réunion, c'est un renouveau, donc c'est, pour moi, c'est un exemple. Une perle rare, mélange de plusieurs nations, couleurs et religions vivent en cohabitation. Tu veux savoir d'où je viens, d'un petit caillou posé dans l'océan Indien. Une perle rare, beauté sans pareil, je te présente la reine des mascareignes. Tu veux savoir d'où je viens, d'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare, beauté sans pareil. Je te présente la reine des mascareignes. Tu veux savoir d'où je viens, d'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare, mélange de plusieurs nations. Moi, je viens de l'île de la Réunion. Joliette. Merci. Est-ce que vous aimez ça, les chansons d'amour, Juliette? On aime tous ça, les chansons d'amour, et moi, je vais finir avec une petite chanson d'amour. Une petite chanson d'amour, pourquoi? Parce que je la connais depuis longtemps. Mais je l'ai rencontrée en 1999. Rencontrée, en fait, j'ai commencé vraiment à la fréquenter en 1999, et à cette rencontre, elle a littéralement changé ma vie. Et quand je vous dis littéralement, c'est du tout au tout. C'est pour ça que moi, ce soir, j'ai décidé de lui dédier cette chanson. Écoutez. Fidèle allié, elle ne me trahira pas. Bien au contraire, me soutiendra quand personne ne sera plus là. Dans le noir sera mon accompagnatrice. Mais ne la compare pas à une vulgaire star du X. Elle tombe souvent dans les halls ou sur les trottoirs. S'assume encore plus fort, arrivé une fois le soir. Calme-toi. Non, ce n'est pas une pute, mais bien souvent quand elle est bonne, on se la passe entre potes. Elle ne trouve pas de répit dans les postes et les iPods. Tourne sans cesse, crée elle-même ses propres codes vestimentaires, mais aussi son propre vocabulaire. Ceux qui la côtoient portent l'étiquette de révolutionnaire. Elle a fait de moi ce que je suis et met dans mes cavales de ce que je fuis. Avec elle, pas la peine de vivre caché, ça même si son histoire est bien souvent entachée. Attachante avec ses mélodies mélancoliques, elle apaise le drogué, tout comme l'homme alcoolique. Et comme une drogue, elle coule dans mes veines. Et bien souvent, quand elle avance au rythme du BPM, et tu voudrais connaître son identité, mais sache qu'elle et moi ne formons qu'une seule entité. Comme un tatouage ou une cicatrice resterait marquée à vie, elle la préfère sans artifice. Malgré les complots, on ira toujours de l'avant. Et ça, même si elle change et qu'elle n'est plus vraiment comme avant. Avec elle, c'est à la vie, à la mort. Et j'aimerais qu'elle soit présente, même le jour de ma mort, s'il vous plaît. Ne l'habillez pas d'une triste symphonie. Mettez-lui sa plus belle robe, une de l'époque où j'étais impoli. On se rappelle de moi pour ce que j'ai fait. Vous voyez à quel point elle me faisait de l'effet. La musique ne remplacera jamais ma mère, mais sera aussi efficace quand la vie me semble amère. M'a pris à relever la tête, appris à pas baisser les bras. Et si ce n'était pas elle, je pense que je ne serais pas là. Tant qu'il me reste la musique, sachez que je serai invincible. Tant qu'il me reste la musique, tant qu'il me reste la musique. Québec, je m'en souviendrai. Joliette, merci beaucoup. Veuillez accueillir du Collège Lionel Groulx, Geneviève Roberge Bouchard. Thank you.
Tu fais voler la poussière de ma chambre éphémère. Tu fais changer de couleur le monde à l'envers. Tu fais pleurer mes erreurs, le fruit de ma candeur, un goût de rose qui se pose sur une fleur. Le vent qui souffle un nuage où tombe nos pluies amères. Une tempête comme un mirage devine un temps couvert. Ça ne prend qu'un courant d'air de toi pour faire voler nos âmes nucléaires. D'être sur terre, fais danser les carillons en éclats de verre. Tu fais tourner en sourire les feuilles de ton empire. Elles tomberont d'un saule pour tomber au pied d'un souvenir. Le vent qui souffle un nuage où tombent nos pluies amères. Une tempête comme un mire. Finalement, j'ai eu un rendez-vous avec le vent. Mais en fait, c'était plus une date, mais ça a très bien été, on s'est revus. Puis, ça a donné quelque chose d'absolument incroyable. Encore un peu d'espoir à l'aurore d'une histoire qui recommence et qui danse une chanson à répondre honnêtement. Le départ d'un autre rêve sur le regard de la paix. Il me semble on se perd dans nos vies, dans nos répits. On met au monde un enfant si fragile.
le confort de quelques songes si fragiles. Quelques jours à peine et le bonheur se lève à tous les matins pour me dire, pour me sourire, qu'il reviendra demain si je l'inspire. Tout se tient, j'ai mis la main sur mon trésor, faudra le mettre à l'abri. Veuillez accueillir, du campus Notre-Dame-de-Foy, de Cybèle. Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi. Je crois même qu'on est trois. On est trois, la contrebasse, la batterie, le jazz et moi. Et moi, ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, le jazz et moi. Quand on s'est donné le là, il ne manque plus que les trompettes. Et puis voilà, ça me cogne dans les doigts. Quand ça balance, alors là, je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là, alors. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là, et ça balance, puis ça balance. Quand l'orchestre est avec moi, quand ça balance, le plafond vole en éclats. Sitôt que le jazz est là, et ça rigole dans son cœur qui prend des ailes, ça lui cogne dans les doigts.
Accueillir du cégep de Thetford, Étienne Labbé. Yeah! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oh! Yeah, j'ai des groupies! Je trouve ça très drôle d'entendre la petite présentation qu'ils ont faite en disant un hommage totalement raté à Céline Dion. J'avais écrit ça en fait quand j'avais fait la finale locale à Thetford, en pensant pas qu'un jour ce texte-là serait élu à finale nationale. Je suis très content d'être ici. Nous, les participants, on est ici depuis jeudi, puis on est très bien traités. Je remercie toute l'organisation, on est bien traités, on est très bien nourris. La nourriture est bonne. Parlant de nourriture, hier, on est allé dans un restaurant, puis je me suis calé des fettuccini Alfredo. Puis j'avais pas très faim, j'ai pris une demi-portion. Puis quand c'est arrivé, c'était une portion ridicule, il n'y avait presque pas. Puis ça m'a coûté 16$. J'avais vraiment l'impression de m'avoir fait fourrer. Comparativement à vous, j'ai l'impression que vous rentrez dans votre cage facilement à soir. Le show est excellent. Je suis ravi de partager la scène avec tout. Je les salue d'ailleurs dans les loges. Je ne sais pas où la caméra, mais ils me regardent en ce moment. Je les salue. Je les aime d'amour. Ils sont très gentils. Toute la gang, ils ont énormément de talent. Puis dans un contexte de concours, je vous avouerai que ça me fait chier, mais je les aime quand même. Bon, c'est que je suis ici pour jouer de la musique. Je vais starter ça avec la première chanson. Vers la fin de 2013, il y avait un concours de poésie au cégep. J'écris pas vraiment de poésie, mais j'ai décidé de participer quand même, juste pour voir si je pouvais gagner avec un poème qui s'appelle « J'aime pas la poésie ». Croyez-le ou non, mais j'ai gagné. Mon poème, il s'est ramassé en finale, puis il va même être publié dans un recueil de poésie pour l'instant en 2014. Donc si vous tombez là-dessus, vous allez tomber sur les paroles de ma première chanson qui s'appelle « J'aime pas la poésie », et ça va comme suit. C'est ben avant Jésus-Christ, au beau milieu de la Mésopotamie, que l'homme commence ses gravures, hiéroglyphes, premières écritures. Ces barbouillages ont bien évolué, la calligraphie est maintenant plus raffinée. Nous, c'est l'alphabet, chacun son dialecte, grâce aux Phéniciens, on écrit avec des lettres. On les utilise quand on écrit le français, les Coréens, eux, c'est des ronds et des traits. Mais peu importe le temps de notre culture, il y a de la poésie dans notre écriture. À chaque époque, elle s'est renouvelée, ce genre littéraire a bien évolué. Mais pas assez parce que j'en consomme pas dans sa forme originale, elle ne fait pas le poids. Bim bam di bim bam di bo, bim bam di bim bam di bo, ho, bim bam di bim bam di bo, ba da ba, bam. Bim bam di bim bam di bo, bim bam di bim bam di bo, ho, bim bam di bim bam di bo, bim 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 bam di bo, ba bo bo. Live Verlaine et Rimbaud, on fait leur temps, ça prend de quoi de nouveau pour divertir cette génération d'internautes. Ça en prend plus d'avoir rendu haute dans les romans, les chansons, les journaux. Les écrivains s'amusent avec des mots. Il y a de la poésie partout en fait, mais on ne les appelle plus des poètes.
C'est comme ça, seul qu'on est rendu. Un poète sans guitare a vraiment l'air tout nu. Les standards de fun sont plus élevés. Compter les syllabes, c'est pas assez. Si l'on m'invite à l'une de ces soirées où des poètes actuels vont s'exprimer, je n'aurai pas le goût, c'est pas d'ironie. Je vais rester chez nous car j'aime pas la poésie. Merci. La deuxième chanson, une chanson qui parle de prendre ses études à cœur, en particulier au cégep. Puis le monde de Thetford sont venus me voir et ils vont particulièrement l'apprécier étant donné que je nomme le nom d'un établissement où les étudiants vont souvent pour négliger leur fin de session. Ah, on a un fan. Oui, alors c'est une chanson qui s'appelle « Fin de session ». Et ça va comme suit. Passer ta soirée à étudier sans arrêt, parce que le lendemain t'avais un examen pis t'étais pas prêt. Tu négliges tes proches pis la personne que tu fourres. Dans un rush de fin de session, t'as pas le temps pour l'amour. Ça fait que tu vas pas au cactus pendant le happy hour. Toi tu vas pas prendre ton 8e shooter. Pis tes amis c'est des mauvaises influences. Eux autres la cotère ils s'en balancent. Comme dans mon cas, la cote, ah, je m'en calisse. J'étudie dans le plastique, je m'en vais pas dans la police. Mais je prends quand même un peu mes études à cœur, parce que je commence à être tanné du goût du craft dinner. Mais j'ai envie d'aller au cactus pendant le happy hour. Faut que je profite de la vie avant que je meure. Pis mes amis, c'est des mauvaises influences. Mais j'admets que ça me prend pas grand chose pour dire au diable les dépenses. C'est ta jeunesse à étudier sans arrêt. Pis quand tu regardes ça aujourd'hui, t'as pas beaucoup de regrets. Même si t'as négligé la personne que tu aimais, t'as fait des sacrifices mais t'as eu du succès. Ça fait que tu vas plus au cactus pendant le happy hour. À ce temps, tu t'en fous des rabais pis ça dure juste une heure. Fait que tu bois du bourbon dans ta maudite belle maison, pendant que je bois du mauvais whisky dans mon petit 3,5. Merci. Il y en reste une. C'est tout le temps le même qui crie, là. Non, lance-moi ta brassière. Non. Oui, ma dernière chanson, c'est une belle chanson. C'est vraiment important de croire en ses rêves, de vraiment tout donner pour réaliser ce qu'on veut puis de jamais abandonner. Malheureusement, la dernière chanson parle pas de ça pantoute. Ça aurait pu faire une très belle chanson, mais c'est pas le cas. Elle s'appelle Simplicité et ça va comme suit. T'es cute, mais t'es conne. T'es pas brillante, mais t'es mignonne. Tu sais pas c'est qui le premier ministre de ton pays. Quand t'ignores de quoi tu souris, pis on te pardonne parce que t'es jolie. Mais t'es cute, mais t'es conne, mais pourrais-tu mettre ton cerveau à on? Faut tout le temps t'expliquer, les choses de web c'est pas assez. Ça en vient désagréable, mais on tolère parce que t'es godable. J'te laisserai pas ton de la pelouse sans surveillance. Mais pourtant, tous les gars te couchent quand tu danses. Malgré ta beauté, j'aime mieux les filles cultivées qu'un pétard comme toi semi-attardé.
T'es cute, mais t'es conne, t'es pas brillante, mais t'es mignonne. Pour toi, la connaissance passe bien après ton apparence. Quand tu comprends pas ce qu'on peut dire, tu nous fais un beau sourire. Mais t'es belle, mais t'es tweet, t'as des beaux yeux, mais t'es pas bête. Faut tout le temps t'expliquer les farces qu'on fait, mais tu les comprends pas. C'est pas grave, sur Internet, juste pour toi, y'a des vidéos de chat. Je te laisserai pas te faire cuire un œuf sans surveillance. Mais pourtant, tous les gars te couchent quand tu danses. Malgré ta beauté, j'aime mieux les filles cultivées qui savent accorder leur participation. Ah, c'est tout! Merci! Oh, c'était le fun! Yeah! Bonne fin de soirée! Veuillez accueillir du collège Élis, méconnaissable. Force de mes rêves, une force pour avancer, atteindre les buts, je me suis donné. Et si la vie c'est un jeu, alors je jouerai avec elle. Y'a des hauts, y'a des bas, y'a des serpents et des échelles. Et seul le dé est commandant, dirigé par le hasard. On passe par des moments bizarres, on traverse tous les prisons. Mais moi, je laisse le temps passer, je laisse la pluie tomber. Je remets en ordre toutes mes idées pour éviter de tirer. Plus fort pour le combat contre cette vie qui est tricheuse, qui nous envoie des coups bas et pour éviter la faucheuse. Alors les gars sont enfilés au lieu de me défiler. Moi je peux m'en défouler, sortir la rage. Moi je garderai mon courage pour me dire que la vie est belle et vivre les buts. Je me suis donné étant donné les pertes et belles, la haine que j'ai dû traverser. J'ai su garder la tête haute en disant que la vie c'est présent. Moi j'effacerai mon passé pour vivre dans le moment présent. Et si la pluie tombe, tombe sur nos tracks. Si un jour fallait on tombe, tombe vers le sol, il faut garder un espoir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir. Ici la pluie tombe, tombe sur nos têtes. Si un jour fallait on tombe, tombe vers le sol, il faut garder un espoir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir. Des jours je veux tout s'arrêter, que ça ne se termine jamais, jamais. J'ai abandonné, j'ai toujours gardé ce que j'aimais. Ma famille et mes amis, ceux qui m'ont ouvert les yeux. Lorsque je croyais plus en rien, j'ai tourné la page pour le mieux. Mais le bonheur venait de ma tête et le sourire dépendait de moi. J'étais la cause de mon malheur qui a duré durant des mois. Tu crois plus en rien, la motivation n'apparaît plus. T'as plus la force de te relever, à chaque chute tu pleures plus. Tu perds ta force, tu perds ton nom. Tu t'isoles dans ta douleur. Tu te caches dans les leçons, mais j'ai changé ma vie. J'ai pris un nouveau virage, je me suis remis de mon naufrage. En changeant mon paysage, on voit la joie sur mon visage. Et je constate la vie c'est un livre, on passe par différents chapitres. Et seul l'auteur connaît l'histoire et la raison du choix du titre. On veut tricher, sauter les pages, mais à la suite on ne comprend plus. On ne veut plus lire le passé, car le temps est si manquant. Dans le noir.
Ici la pluie tombe, tombe sur nos têtes. Ici un jour fallait on tombe, tombe vers le sol. Il faut garder un espoir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir. Ici la pluie tombe, tombe sur nos têtes. Ici un jour fallait on tombe, tombe vers le sol. Il faut garder un espoir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir. Ici la pluie tombe, tombe sur nos têtes. Ici un jour fallait on tombe, tombe vers le sol. Il faut garder un espoir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir. Moi j'ai fait de victoire, vite noire. Je devais te raconter ma vie, faudrait en faire une histoire, tu sais. Ayant été gamin des délits, j'ai commis frôlons de justesse, la justice. J'ai dit promis, j'arrête toutes mes conneries. Maman, je t'aime, malgré les larmes et les cris, les drames et les cris. Que quelqu'un arrête les voix dans ma tête, je vous prie. Ici la pluie tombe, tombe sur nos têtes. Si un jour fallait on tombe, tombe vers le sol. Il faut garder un espoir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir. Ici la pluie tombe, tombe sur nos têtes. Si un jour fallait on tombe, tombe vers le sol. Il faut garder un espoir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir, rêver, même dans le noir. Veuillez accueillir, du cégep de la Gaspésie des Îles, campus Carleton-sur-Mer, Artefus. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, filles et garçons, bienvenue au cirque Artefus, le plus démentiel de tous. Ce soir, vous aurez droit à une prestation extraordinaire. Êtes-vous prêts à voir ce qui vous attend? Cramponnez-vous à vos sièges et ouvrez grand les yeux, mais prenez garde. La nuit qui tombe nous apporte les âmes perdues et nul ne connaît l'issue des ténèbres.
vous avez aimé. Vous êtes maintenant au cœur de la noirceur. Saurez-vous en sortir? Alors, mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps que je rappelle les excellents finalistes qui sont passés ce soir. Directement du cégep de Victoriaville, mesdames et messieurs, accueillez Amy Champagne. Du cégep de Saint-Laurent, du groupe Mon frère Mador, avec Xavier et Renaud Mador, mesdames et messieurs. Du cégep d'Edouard Montpetit, mesdames et messieurs, Émile Bilodeau. Du cégep de Marie-Victorin, mesdames et messieurs, David-Alexandre Chartier. Du cégep de Jonquière, le M, alias Christophe Marianne. Du collège Lionel Groux, Geneviève Roberge Bouchard. Du campus Notre-Dame de Foy, de Cybelle avec Sandrine Thibault, Jeanne Laforêt et Delphine Bertrand. Du cégep de Thetford, mesdames et messieurs, Étienne Labbé. Du collège Élise, méconnaissable, avec Michael Charette, Jihad Beradja et Carl Pelletier. Oh! Du cégep de la Gaspésie et des îles, campus de Carleton-sur-Mer. Mesdames et messieurs, Artifus avec Frédéric Harvessir, Evelyne Dumas, Marie-Ève Desroches, Luce Bernard et Chloé Grenier-Labrec. Alors, pour débuter la remise des prix, j'aimerais appeler sur cette scène Madame Hélène Poulin, du RIASC, responsable du dossier Cégep en spectacle, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bravo à tous les participants et nous voici à l'ultime moment, la remise des prix. J'invite maintenant Jo Beaucamp et Marc Beaupré, représentants du jury, à venir vous faire part des résultats de leur délibération. Je suis pas seule. Alors, bonsoir tout le monde. Oui, bon, tu es là, toi. Hein? Tu t'es caché. Je t'ai gêné. C'est pas vrai. Alors, ben écoutez, on a eu cette lourde tâche, comme vous le savez. On a été condamnés. Mais on est sortis de l'enfer pendant quelques minutes pour venir vous donner les résultats. On vient de passer une heure à faire des chapelets, là. Ce soir, c'était remarquable, tous les talents qui étaient sur scène, et c'est toujours difficile pour un jury de choisir, parce que, en fait, ce serait un autre jury que ce serait d'autres gagnants. Et pour vous dire que, en fait, il n'y a pas de perdant après une soirée comme celle-ci, et que tous ces talents qui étaient là ce soir méritent de continuer à faire ce métier. J'espère que... Alors, nous y allons avec, en premier lieu, le prix Création. Alors, pour sa qualité des textes, pour sa dignité sur scène et pour sa générosité et sa volonté de partage. Une bourse de 1 500 $ sera offerte par la Fédération des cégeps
Et cette bourse est remise à Christophe Marianne, le M. Alors, Monsieur Marcel Côté va remettre le prix. Alors, on passe tout de suite au deuxième prix, qui est remis à un jeune homme qui a... Excusez-moi, là. Je m'ajuste. Ça va? Un jeune homme qui a beaucoup de charisme, une belle présence sur scène, qui a su manier beaucoup l'humour, la spontanéité, et qui s'est même permis de commenter ses propres textes sur scène. Alors, on remet une bourse du RIASC de 1 500 $ qui va être remise par le président du RIASC, M. Maxime Béchartrand, à Émile Bilodeau. Alors, pour le premier prix, pour la présence et l'intensité sur scène, pour la qualité de la composition, oui, pour la musique et les textes qu'on a trouvés vraiment très forts, et le travail de conception remarquable, une bourse Desjardins de 3 500 $ sera remise par M. Jean-François Pépin à Méconnaissable. Toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette 35e édition. Félicitations à tous les finalistes et tous les jeunes qui ont participé à cette belle aventure qu'est Cégep en spectacle. Merci aux animateurs de la soirée, merci à l'équipe technique qui ont assuré une réussite de ce rendez-vous pour nos participants. Je vous rappelle que nous aurons l'honneur d'être reçus au Cégep de Saint-Hyacinthe l'an prochain pour la 36e édition. Entre-temps, vous pouvez toujours revoir le gala et le spectacle de ce soir sur les ondes du canal Savoir à partir du 9 juin. Merci encore et bonne fin de soirée.